Ce matin, j'ai été abordé par trois hommes trimballant une tête au bout d'une pique. Ils ont dû prendre mon uniforme pour une marque de noblesse car ils ont exigé que je crie « Vive la République » afin de prouver mon allégeance. La distribution de cocardes tricolores doit être passée de mode. Qu'avez-vous fait ? J'ai crié « Vive la République ». En homme de principe. Ma dignité m'est bien moins utile que ma vie. Voilà ce qui se passe lorsque l'on confie le pouvoir à des fous affamés et le commandement de l'armée à des sauvages trop avides de sang. Rouille. J'ai voulu le faire affecter à une garnison éloignée, mais manifestement, il ne semble pas manquer d'amis très haut placés. Il est intouchable. Mais vous savez où je peux le trouver. Il se dit dans les casernes qu'il comptait marcher sur le Grand Châtelet avec un détachement de ses sbires cet après-midi. S'il devait avoir un accident, rares seraient les Français à en souffrir. Et ma carrière ne s'en porterait que mieux. Alors, aiguisez vos talents d'orateur. Prenez leurs armes. Que personne ne bouge. Allez les gars, trouvez-moi le gardien-chef. Vous finirez sur la guillotine. Surveillez-les de près. Dieu vous le fera payer. Putain, c'est bien. Personne ne bouge. Il y a quelqu'un? Ne nous obligez pas à vous le faire payer. Bon Dieu, mais... misère. Gardez un œil sur eux. Sale chien. Où ai-je dû perdre sa trace? Qui t'a tué, Antoine? Enfant de putain! Silence! Aha! Pour les vrais patriotes! Merci, monsieur. Je ne sais pas quelle est ton unité, mais merci. Tu peux me remercier en reprenant ton poste et en arrêtant ce massacre. Oui, monsieur.
va faire du corps. Bah, laissons-les. Qu'est-ce qu'on attend? Ce sont pas les traîtres qui manquent. On dirait que ça s'agite là-bas. Requiescat in pace. Tenez bon! Restez en ligne! La prochaine fois. Tu as dû malmener un boutiquier de trop. Ou une note. Pas brûlé en enfer! Il est parti. Oh, retournons au travail. Te rendre visite. Ne me dis pas que tu ne veux pas le voir. Oh, allô. J'aimerais entendre ta voix. Vive la révolution. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas la liberté? La liberté te dérange? Ah, toi, oui, citoyen. Toi, citoyen. Je crois qu'elle fera un joli souvenir. Ah, allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allez, citoyens, halte, chante. Je te tiens. Bon, allons, j'aimerais entendre ta voix. Vive la révolution. Maudit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas la liberté? La liberté te dérange? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ah, voilà! Un instant! Qu'est-ce que ça y est? Hé, hé, gardien! Ton frère trouve que tu manques de manières! Je te préviens, il a perdu du poids depuis une minute. Hé! Hey, attends un instant! Si l'on vous a donné l'ordre de nous faire sortir d'ici,
Vous devez aussi avoir l'autorité d'employer la force, car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. Ah, mais administrer, c'est gouverner. Gouverner, c'est régner. Tout se réduit à cela, et c'est bien le problème. Monsieur Mirabeau ? Pathétique, n'est-ce pas ? La France ne mérite-t-elle pas mieux ? Plaît-il ? Palais du Luxembourg. Oui ! Nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. Vous avez bien dit qu'il parlerait. Vous avez fait vos preuves, capitaine. Marie ? Le prix du grain est plus élevé que jamais, grand maître. Nos agents sont prêts à détourner les cargaisons vers nos quais. Ils n'attendent que votre ordre. Bien. Affamez-les. La famine et la colère leur révéleront la vraie nature de leur maître. Mais procédez graduellement. Ce que vous demandez prendra au moins un an, grand maître. Sinon deux.